Doigts de pied en éventail, la tête au soleil, il a pris ses quartiers d'hiver à l'île Maurice. Alain a 52 ans et il est très riche. Pas long, s'il fait froid à Paris, moi je suis en train de me dorer la pilule au soleil. Ben, je crois qu'à Paris, il doit faire entre 0 et moins 2 degrés. Moi, je suis bien. Hein. Il doit faire 28 ou 29. Et puis, il y a des gens, certes, qui sont dans le froid, mais bon, il faut bien qu'il y en a qui travaillent, hein, quand même. En tout cas, pour lui, le travail, c'est terminé. Bonjour, je suis Alain pour un petit massage. Et ça fait 3 ans que ça dure. Il a gagné 3 500 000 euros au loto. De quoi se laisser vivre. J'ai travaillé suffisamment et des fois pas très bien payé. Donc non, j'ai aucun état d'âme là-dessus. Hein. Cet argent, je ne l'ai pas volé. C'est un gain, c'est un gain. C'est tombé sur moi et je ne le regrette pas du tout. C'est très agréable. C'est très décontractant. La masseuse est charmante. Donc tout va bien. Il n'a aucun complexe. Un petit bienfait de plus encore. Se faire pomponner, il adore. Et depuis qu'il est riche, il en profite. Mais on a tendance à s'endormir hein, quand même. Hein. C'est des choses nouvelles et qui ne sont pas désagréables. C'est une chose qui est importante pour moi. Maintenant, si je peux prendre soin de moi. Quoi. Avant, je ne faisais pas ça, tout ça parce que pas le temps, pas l'argent. Et maintenant... Ça change, quoi. C'est très bien. Donc, on a de la chance, ton mari. Hein. Tu lui fais ça tous les soirs, il va être content. Hein. Il a l'œil séducteur, car Alain est célibataire. Marié 2 fois, divorcé, il a 3 grands-enfants et c'est un cœur à prendre. Avant de toucher le gros lot, il était agent de maîtrise dans une compagnie aérienne. Désormais, il en profite, sans souci des fins de mois. Pas trop fléchir les genoux. Redressez un peu la tête. Là, voilà. Faut qu'à aucun moment vous sentez que c'est dur. Hein. C'est très relax, là. Comment vous le sentez ici? Un peu dur, quand même. Il faut être relax. Allez, en souplesse. Pour son apprentissage dans sa nouvelle vie de millionnaire, cours de golf. Il n'y a personne qui vous regarde. Il n'y a que vous et votre... Pas évident de se transformer en playboy de la jet set. Retour à Paris. Pour Alain, fini les vacances à l'île Maurice. Il rentre chez lui en banlieue parisienne. Il connaît bien cet aéroport, c'est là qu'il a travaillé durant 28 ans. Mais ça, c'était avant de gagner au loto. Un dimanche matin, j'étais comme ça, voilà. Voilà, donc j'avais ça. Sur mon compte en banque, j'avais ça. Et puis le dimanche soir, j'avais ça. Donc on gagne du temps comme ça, hein. Je trouve que c'est plus parlant. En fin de compte, je peux dépenser exactement 8000 euros par mois pendant 37 ans et demi. Résultat, il a fait un choix clair et net. Je jouais pour gagner, j'ai gagné, je travaille plus. Il était hors de question qu'avec une somme pareille, que quelqu'un vienne me donner un ordre, et ça, je ne le tolérerais pas. Ça, c'est impossible, c'était pas dans mon caractère. Alain ne travaille plus, mais il continue de gagner de l'argent. Monsieur fait des placements financiers sans bouger de chez lui. J'ai un PEA, j'ai des codevis, j'ai des comptes titres, j'ai des parts dans l'immobilier, j'achète des appartements. J'essaye de placer au mieux. Donc là, j'ai des parts dans des SCPI qui me permettent de faire des petites rentrées d'argent. Ça devient un jeu, en fin de compte. C'est d'essayer d'acheter le maximum de choses sans entamer le capital, quoi. Donc, je trouve ça rigolo. c'est pas mal. Donc, tout votre capital est placé, il ne s'est pas déprécié. Alors, c'est le même que l'année dernière quand vous avez gagné, non? C'est le même, voire un peu plus, parce qu'il y a les intérêts qui sont tombés. Mais c'est à peu près le même, ouais. C'est même plus, quoi. En fin de compte, c'est plus. Et malgré sa fortune, il est plutôt du genre maniaque. Pas un ticket de carte bleue qu'il ne passe au crible. Il compte au centime d'euro près. Et pour ça, il s'est organisé. Relevé de compte, moi quand je fais mes comptes, donc je pointe tous mes tickets de carte bleue. Et après, j'ai une méthodologie qui m'appartient qu'à moi. Hein,
c'est que les tickets sont attachés dans l'ordre sur les feuilles. Et s'il y a un écart, même pour un centime d'euro, je cherche. C'est peut-être cette rigidité qui lui cause des ennuis familiaux. Aujourd'hui, les pièces de sa maison sont vides. Depuis qu'Alain a gagné au loto, il s'est fâché avec beaucoup de monde. Et puis il y avait le toit. Bon, là, j'ai fait une buanderie. C'était la chambre de mon fils aîné. Entre le père et le fils aîné, c'est silence radio depuis plusieurs mois. Alain était prêt à lui donner de l'argent, mais uniquement pour l'aider à s'acheter un appartement. Mon linge qui sèche. Et alors, avec lui, c'est pas... Bon, non, il me parle plus, mais bon, c'est pas grave. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Des problèmes de compréhension. Moi, je leur propose un projet immobilier, ils veulent pas le faire, ils ont pas l'argent, c'est pas compliqué. Mon optique, c'est pas de donner de l'argent. Pour avoir ce que j'ai, on me l'a pas donné. J'ai travaillé beaucoup, je travaillais le week-end, j'ai fait beaucoup de choses. Moi, l'argent, on ne l'a jamais donné, donc j'en donne pas. Je suis désolé, c'est comme ça. Alors après, on peut dire effectivement, les enfants, on peut leur en donner, non. Bon, point à la ligne. S'il a des dettes, c'est son problème, c'est pas le mien. C'est son argent et il en fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, il a décidé de dépenser. Jouer les nouveaux riches, il adore. Il ne rate jamais une occasion d'afficher sa fortune. Le plus plat possible. Si tu veux, j'ai gagné 3 500 000 au loto. Ah, c'est une belle somme. Vous n'avez pas trop de budget alors, pour votre appareil. Non, si tu veux, c'est pas, le budget, c'est pas un souci. Ouais. Plus c'est cher, mieux c'est. Et il ne veut que le dernier cri. Maintenant, je calcule à partir de 100 000 euros. 100 000 euros. Ouais. Sinon, avant, je compte pas. Et justement, il doit changer de voiture. Ce coupé ne vaut pas 100 000 euros. Alors, pourquoi ne pas se faire plaisir? J'aime bien le style, j'aime bien la voiture, j'aime bien la coupe. C'est une voiture de jeune en plus, c'est pour moi, quoi. Et toujours ce besoin de s'affirmer. J'ai été entre deux tempêtes tropicales, donc très bien. J'ai gagné 3 500 000 euros. Oui, évidemment. Oui, hein? Je comprends les vacances. Oui, tout à fait. Donc, tu as 52 ans, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Quel bonheur. Quel bonheur, hein. Pouvoir s'offrir ce dernier modèle sur un coup de cœur, c'est son nouveau luxe. Une 407, y a pas de problème. Ça, c'est des trucs que si t'as pas gagné au loto, c'est plus difficile à faire, quoi. Moi, c'est pas le haut de gamme, celle-là. Bah, nous avons des hauts de gamme, bien sûr. Oh, de toute façon, si je... Mais j'imagine. J'aime bien la ligne. En plus, celle-là, j'aime bien la couleur. Donc, bon, le prix est un petit peu cher, mais bon, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Oui. J'aime bien la finition, j'aime bien le produit, donc c'est facile de convaincre un client qui veut déjà acheter ça. Ça, c'est sûr, c'est vrai que le commercial, dans ces moments-là, il n'a plus grand-chose à dire. Ben, voilà, oui, sinon, il peut signer en bas. Quoi. Oui, voilà. Affaire conclue, et il la prend avec toutes les options. Facture, 46 000 euros. La voiture lui sera livrée la semaine prochaine. En attendant sa voiture, pour Alain, week-end à Biarritz. À mercredi. Je vous accompagne. Merci bien. Mais cette fois, c'est gratuit. Il est accompagné par une employée de la Française des Jeux. C'est elle qui invite. En beau temps, là. Deux jours, aux frais de la princesse. Eh bien, ce week-end, je pense que nous allons faire de la thalasso. C'est pas mal. On va faire des bulles. Dès qu'on m'invite, je viens. Et que je suis disponible, bien sûr. Un week-end d'un genre particulier. Plusieurs fois par an, à l'abri des regards, la Française des Jeux réunit une dizaine de gagnants du loto. Un objectif, les faire se parler, se rencontrer. Une sorte de club de vacances pour millionnaires, tout frais payé. Voilà la chambre, la salle de bain. Voilà. Merci bien. À tout à l'heure. Je ne vais pas prendre mon bain tout de suite, mais bon. Oh, c'est bien, c'est sympa. Ça, alors, je le déballe pas parce qu'après, il faut le ranger. Donc, le fait de ne pas le déballer, si j'ai besoin de quelque chose, je le sors. Mais si j'ai besoin de rien, je sors rien. Et voilà. Les participants au week-end, les voici. Leur point commun, ils sont tous millionnaires en euros. C'est
À côté d'Alain, Jean-Jacques. Souvenez-vous, celui qui voulait mettre fin à ses jours. Il est venu avec sa femme, Cathy. Dans ce bus, tous ont vu leur vie basculer. Et c'est pour ça qu'ils sont réunis. Pour partager cette expérience qu'ils sont les seuls à connaître. Pour s'entraider dans leur nouvelle vie. Et pour mettre tout le monde dans l'ambiance... Les petits garçons à gauche et les petites filles à droite. Séance aquagym, dans une thalasso de Biarritz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hop. Serrez bien les fessiers. Mission accomplie pour la Française des Jeux. Entre les participants, la glace est brisée. C'était bien. C'était bien. Tiens, on faudrait bien suivre les mouvements, quoi. Ah, elle est chaude. Ça, c'est super. On rigole, on plaisante, les liens se tissent facilement. Et ici, ni retenue, ni méfiance. On est entre gens riches. On est tous millionnaires en euros, quoi. Donc c'est quand même des sommes conséquentes, quoi. Donc on peut plus facilement échanger quand on dit j'ai changé de voiture, quoi. Ça choque pas, quoi. C'est changer de voiture, on a changé de voiture. Il y en a qui changent de slip, d'autres changent de voiture. Ouais. Est-ce que vous êtes en décalage avec les gens qui sont autour de vous ? On est, au final, on finit par en être en décalage, oui, tout à fait, oui. C'est sûr. Vu les sommes brassées. Je peux pas dire les montants parce que ça va faire rougir la planète. Mais non, moi quand je touche des intérêts, c'est 20 000 euros quoi, minimum. Quoi. Donc il y a des gens qui ils gagnent pas ça en travaillant. Quoi. Voilà. C'est pour ça que je voulais garder un petit peu le pied à l'étrier quelque part. C'est pour garder un peu le contact avec la réalité des choses plus terre à terre, quoi, je veux dire. On est bien quand même. Hein. Ah, il n'y a pas photo, mais on est même très bien. Quoi, Moi j'ai la belle vie, c'est la vie cadeau, quoi. Tranquille, peinard. Là maintenant, t'es... Oui, je suis tout le temps en vacances, quoi. Bah, c'est clair. Et ça, c'est une bonne habitude qu'on apprend très vite à faire. Hein. C'est très difficile à gérer son temps libre, en fin de compte. De ne rien faire, c'est très difficile. Et oui. Hein, surtout quand on veut le faire bien. Et ça, c'est pas facile. Et justement, ne rien faire, c'est ce qui est prévu au programme. Emballage, hein. Pas bien comme ça, hein. Pas belle la vie, hein. Voilà, c'est pas fini. Voilà. C'est... Voilà. Oh là, c'est... Alors c'est pour. Ça c'est pour décontracter. Oh, hein? Je vais plus décontracter, là, c'est bien. Voilà, pour 20 minutes. Eh ben alors à tout de suite, hein. On est bien là, quand même, hein. Sans amour. C'est plus malheureux quand même, hein. Sans souci, sans problème. Le lendemain matin, le groupe a pris des allures de colonie de vacances. Il s'agit pour la Française des Jeux de s'assurer que tout se passe bien pour les gros gagnants. C'est sa meilleure publicité. Tout l'objet de ces rencontres, c'est que quel que soit, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de différences, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, le niveau d'éducation, le niveau culturel, il n'y a qu'un dénominateur commun, c'est le gain, c'est le point de départ d'une histoire. Une histoire qui va raconter différentes étapes, différents changements. J'ai encore un bon photo là. Ces rencontres, c'est important pour eux parce qu'ils ont ce besoin de paroles, des... Et parce que quand il vous arrive quelque chose d'important et de fort dans votre vie, vous avez besoin de vous reconnaître dans le regard de l'autre. Sinon, vous risquez de vous sentir isolé. Et dans le groupe, il y en a un qui a du mal à ne pas se sentir isolé. C'est David, 35 ans. Il y a un an et demi, il a gagné plus de 2 millions d'euros. Dans la vie de tous les jours, c'est vrai que moi, personnellement, j'essaie d'éviter le sujet. On m'en parle et puis... Je m'esquive assez rapidement. Pourquoi vous ne voulez pas en parler ? Je sais pas. Je me sens pas à l'aise d'en parler. Je me sens gêné par rapport aux gens.
Je n'aime pas en parler. Angoisse, exclusion, brouille avec des proches, c'est ce qu'il a vécu. Moi, ceux qui ne me parlent plus, je les ai pas compris. Je cherche pas à comprendre. On me parle plus. Et puis, parce que je pense pas avoir changé. Et ceux qui ont cru ça, bah, c'est dommage pour eux. On va en faire un, on va aller voir si on a gagné, on peut gagner. En faire un, c'est remplir une grille de loto. Ils ont tous gagné une fois, alors pourquoi pas deux? Direction le PMU le plus proche. Ah oui, bien sûr, pourquoi le bonheur ne rentrait pas à la toujours, porte hein? Toujours. On est là, ouais. Non, mais on espère tout le on temps. On espère d'en avoir encore. Et puis je vais prendre un millionnaire. Tiens. Mais t'en as devant toi. Voilà, merci. Merci bien. Un autoflash à 16,80 euros et les deux jokers, s'il vous plaît. Plus de 100 euros, c'est ce qu'investit chaque jour ce gagnant. Il a empoché 2,5 millions d'euros. Il a de quoi jouer. Tous les matins, je vais faire mes jeux. Je joue 32 euros au Rapido, 40 euros au Keno et 50 euros à l'euro million. Voilà mon budget. Je ne fais pas de gratte-gratte par contre. Ça, je ne fais pas. Les autres, c'est déjà des gagnants plus anciens que moi. Ils ont déjà fait leur petit bout de chemin. Donc, d'ici quelques temps, je pense que ça ira mieux pour moi aussi d'en parler, d'assumer quand même, comme eux, ils font. À présent, il est l'heure de se préparer pour le dîner de gala. Le point d'orgue du week-end. L'heure de vérité. Super. Ambiance décontractée. Grand vin et petits plats dans les grands. Impeccable. Mais dans les cuisines, on commente. Autant de gagnants du loto, ça fait jaser. Moi, je pense que ces gens-là, ils ont gagné des millions, mais ils sont un peu seuls quand même avec leurs millions. Donc, ils rencontrent d'autres gens qui ont aussi gagné de l'argent et ils parlent de leurs problèmes. Et puis, problème de gens riches. Hein. Avoir de l'argent, est-ce que c'est le bonheur? Ça aide, mais... Ça fait rêver quand même. Ça fait rêver. Surtout, non, mais ce qui est incroyable, c'est de gagner de l'argent comme ça. Sans effort, tu joues, puis tout d'un coup, t'apprends que t'es millionnaire. Une sandwich, t'y as pensé? Allez, c'est parti. Bon appétit. À table, les langues commencent à se délier. On parle d'histoire de banquier. Moi, mon banquier ne me connaissait pas avant. Après, j'étais bientôt son ami. J'étais son ami. Sérieusement, on allait au restaurant, on faisait une boîte ensemble. Moi, il me connaissait bien parce que j'avais un trou, un déficit budgétaire énorme. Donc, il me connaissait très bien. L'ambiance est encore décontractée. Mais très vite, la conversation prend un ton plus grave. Coup de téléphone anonyme, mise à l'écart, jalousie. Chacun y va de son histoire. Dans son village, cette femme est par exemple victime de rumeurs. Elle concerne son mari. Il lui a dit, t'as pas 10 euros pour te payer une bouteille de vin? Moi, ça continue. Il y a pas longtemps, il s'est pendu. Qui c'est donc? Eh bien, mon mari. Ça s'est dit dans le village qu'il s'était pendu parce qu'on avait gagné. Ah oui. Et les gens, ils disent n'importe quoi. C'est pour ça que moi, sortir dans ce village, ça ne m'intéresse plus. Ah oui. Mais faut pas, la méchanceté des gens. Mais non, mais je reste enfermée chez moi et je me crois que... pour ici. Bah, c'est pas bien parce que moi, je vais dire où j'habite, c'est que des racontars sont mon dos. Mais moi, je me dis, mais les gens, pendant qu'ils parlent de moi, ils parlent pas de mon voisin, ils me font pas de mal. Donc. Ça leur fait plaisir. Non, mais c'est nul en plus. Ah ouais. Les gens sont ridicules. Ridicules au possible. C'est pour ça qu'on. Le début, on a peur pour la réaction des gens. Le fait de s'enfermer, c'est pas bien. Non, faut pas. Il y a des fois, je passe ma journée en pyjama. Plus maintenant? Si. Non. Si. Ouais. Je continue quand même. Je reste chez moi. Parce que le candidaton, il commence à me passer par-dessus la tête. Mais justement, les candidatons, il faut les affronter, leur dire, moi, écoute... Mais moi, rester dans la région, je ne veux pas y rester. Je veux pas aller très loin parce que j'ai mon petit-fils. Quand je peux, je dégage. Nous, il a fallu attendre 2 ans pour pouvoir oser le dire, en fait. Tu disais parce que c'est difficile à dire. Village que bon, bah, il y avait quand même de la jalousie. La peur du regard de l'autre. Justement, la peur du regard de l'autre. Moi, dans la région parisienne, j'ai pas eu de soucis parce que de toute façon, je m'en fous. Parce que personne ne me connaît. Voilà, parce que personne ne me connaît. Et ça passe comme une lettre à la poste, à la limite. Mais c'est sûr que quand tu habites un petit village, une petite région au fin fond de la... Ça, c'est tout de suite. Et puis, il y a de la jalousie. C'est ça, le revers de la médaille. La fortune a un prix, plutôt inattendu. Mais ils l'ont presque tous connu. Moi, ça ne me dérange pas de dire que j'achète 6 appartements, ça ne me dérange pas. Mais quand tu parles de ça à des gens qui ont du mal à gagner leur vie, c'est indécent.
Mais comme on est tous, on a tous gagné au moins 1 million d'euros, donc on sait de quoi on parle, quoi.